Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes trois dernières lectures pour le mois de janvier 2017 et j'en profiterai au passage pour vous faire mon bilan. Donc tout d'abord, je vous parlerai de Shakti, donc le tome 2 de la série Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. Ensuite, je vous parlerai de La Promesse à Élise de Christian Labourie. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai du tome 1 de la série Calendar Girl, donc janvier d'Audrey Carland. Je vais démarrer tout de suite du coup avec Shakti, donc le tome 2 de la série Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Je vous avais parlé du tome 1 assez récemment puisque je l'avais lu à la toute fin du mois de décembre et j'ai décidé d'enchaîner assez rapidement avec ce tome 2 puisque le tome 1 m'avait vraiment bien plu, ainsi que le préquel. Du coup en fait c'est une série de fantasy mais qui est relativement calme, à savoir qu'il n'y a pas énormément de combats mais plutôt des récits d'aventure. Dans le premier tome on découvrait principalement notre personnage principal, à savoir un barde qui s'appelle Fintorn. Et ce barde en fait s'est retrouvé embarqué pour une mission sur une gabarre, donc sur un grand bateau. Et ce grand bateau a été envoyé sur les terres du Nord par la souveraine du royaume. Donc les membres de cet équipage ont pour mission d'aller jusqu'à la voie au roi et donc d'avoir en quelque sorte l'aval d'un dieu, il me semble. Donc voilà. Donc dans ce royaume il y a deux femmes qui s'opposent, enfin qui s'affrontent pour avoir le pouvoir. Donc voilà, eux ils sont envoyés par un des clans, ils doivent aller au nord dans leur bateau et aller donc le plus au nord possible pour pouvoir avoir accès à ce dieu. Dans le tome 1 on découvrait du coup Fintan, le barde, et on découvrait également Manesh puisque c'était le titre du roman du tome 1. Donc Manesh en fait c'était un jeune homme qu'ils recueillent sur leur bateau puisqu'ils le voient dériver sur l'eau. Et vu que c'est un jeune homme assez mystérieux, ils vont essayer de savoir qui il est et donc ils vont l'interroger. Du coup dans le tome 1 on alternait entre les récits de Manesh et les récits du barde. Et pour le tome 2 du coup on reprend un peu ce même principe mais avec Shakti, à savoir que Shakti est la seule femme de l'équipage et c'est une femme assez mystérieuse sur laquelle personne n'en sait trop. Et vu qu'il y a eu des événements qui se sont passés entre le tome 1 et le tome 2 qui sont des événements assez importants qui font qu'en gros il y a beaucoup moins de personnes et que maintenant ils sont sur terre et non plus sur la mer, enfin sur les fleuves. Voilà, il y a eu pas mal de changements et ce personnage maintenant est regardé un peu d'un œil un peu étrange et donc du coup ils vont lui demander de se confier à eux pour en savoir un peu plus sur elle. C'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant à découvrir, j'aime toujours beaucoup ce roman. Par contre c'est un personnage qu'on découvre qu'à partir de au moins un tiers du roman et du coup son histoire elle n'est pas finie à la fin du roman et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Dans ce roman il y a un petit peu plus d'action puisque comme je vous ai dit ils sont sur terre donc à certains moments ils sont traqués etc. Mais globalement ça reste avant tout un roman de fantasy avec des récits d'aventure, de mythologie, de souvenirs et ce genre de choses plus qu'un roman de combat et dans l'action. En tout cas pour ma part c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, le tome 3 n'est pas prévu pour tout de suite, il va falloir s'armer de patience. Mais je le découvrirai avec grand plaisir et pour ma part j'ai mis un 4 sur 5 à ce deuxième tome. Ensuite j'ai donc lu La Promesse à Élise de Christian Labourie, c'est un roman que j'ai reçu de la part de France Loisirs, il est sorti chez eux assez récemment, je crois au mois de janvier. Donc voilà, c'est un roman historique qui se passe en 1950 en France, dans les Cévennes. En fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Adèle et qui vient d'être nommée institutrice. Elle va demander à travailler dans les Cévennes, donc dans le sud-est, alors qu'elle vient, elle, du sud-ouest, parce qu'en fait, elle a des souvenirs de vacances des Cévennes. Et c'est un endroit qu'elle avait beaucoup aimé, et vu que voilà, c'est son premier emploi, elle a envie de partir de chez elle, elle a envie de voir autre chose, elle va demander à être mutée là-bas. Quand elle va arriver là-bas, déjà tout le monde la regarde pas forcément d'un très bon oeil et en plus de ça, dans sa classe, elle va se retrouver face à une petite fille qui est muette, qui s'appelle Élise. Et voilà, elle va s'intéresser du coup à Élise et elle va essayer d'en apprendre plus sur cette petite fille. Et donc voilà, elle veut en apprendre plus sur Élise pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est muette et qu'est-ce qui se passe, parce qu'en plus de ça, il y a pas mal de rumeurs qui courent autour d'elle et autour de sa mère.
Donc voilà, le récit se divise du coup en trois parties. Dans la première partie, c'est les souvenirs d'enfance, enfin de petite enfance du coup, d'Élise. Ensuite, on a des souvenirs de la mère quand elle était plus jeune et du coup qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, la fin, on retrouve Élise mais un peu plus âgée. Pour ma part, la première partie m'a plutôt plu, mais j'ai surtout beaucoup beaucoup aimé la deuxième partie et vraiment bien aimé la troisième partie parce qu'une fois qu'on a vu la deuxième, on veut savoir ce qui se passe après. Donc voilà. Globalement, j'ai vraiment bien aimé, surtout donc la partie du milieu, l'histoire est absolument sublime, donc l'histoire qui est autour de la mère d'Élise. J'ai beaucoup beaucoup aimé et ouais, vraiment ça m'a énormément plu. Par contre, il y a un défaut que j'ai trouvé à ce roman et c'est un défaut qui m'a quand même pas mal gênée, à savoir que je trouve que Adèle est très inquisitrice dans sa manière de poser les questions et je la trouve assez maladroite. En fait, on a l'impression qu'elle veut savoir ce qui se passe plus par curiosité que par vraiment envie d'aider les autres, même si à certains passages on nous dit vraiment que c'est parce qu'elle a envie d'aider les autres et parce que voilà, après elle noue une amitié avec Lucie, la mère d'Élise. Mais clairement dans le roman il y a plusieurs passages où on a juste l'impression que c'est une jeune femme beaucoup trop curieuse qui se mêle clairement de ce qui la regarde pas. Et du coup voilà, ces passages là m'ont un peu gênée, parfois j'étais là oh! Enfin voilà, je pense que ça aurait dû être amené autrement, accentué plus sur la relation de confiance plutôt que sur l'aspect je veux savoir ce qui se passe. Pour vous donner un exemple, donc elle essaye de savoir ce qui se passe du côté de la mère, déjà pour aider la fille, enfin bon, c'est un peu particulier. Et en plus de ça, quand la mère arrête de lui parler, elle se dit « Ah, c'est pas grave, je vais aller voir le pote de la mère qui lui doit être au courant ». Et ça, non. Voilà, j'ai trouvé ça un peu limite de ce côté-là. Mais sinon, le reste m'a beaucoup plu et cet aspect que j'aime pas trop est surtout présent vers le début et beaucoup moins après. Et voilà, une fois qu'Adèle s'efface un peu et qu'on a plus Lucie et Élise qui sont au centre de l'histoire, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc ouais, ça reste quand même une très très bonne lecture pour moi, je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, pour terminer, j'ai donc lu Calendar Girl, janvier de Audrey Carland. Ça m'était ma toute dernière lecture de janvier, donc c'était juste à temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, Calendar Girl, c'est une série donc de 12 romans, à savoir un pour chaque mois, dans lequel on retrouve Mia, qui est une jeune fille américaine dont le père a des très grosses dettes de jeu, au point que voilà, là il est à l'hôpital, il est en très mauvais état et ils doivent absolument trouver le moyen de rembourser les dettes de jeu du père. Vu qu'elle n'a pas énormément le choix pour avoir autant d'argent aussi vite, Mia va décider de se faire embaucher en tant qu'escort girl dans une boîte d'escorte. À savoir donc qu'elle est escort girl, elle n'est pas prostituée, donc son travail en fait c'est chaque mois elle doit accompagner un homme différent et être belle à côté de lui et voilà, faire en sorte à ce que l'homme paraisse bien, enfin voilà, ce genre de choses, mais tout ce qui est du côté du sexe, c'est pas obligatoire. Si elle décide de le faire, elle est payée en plus, mais ça fait pas partie du contrat de base et aucun des hommes n'a le droit de l'exiger d'elle. Si ça arrive, c'est parce qu'elle l'a voulu. Donc voilà. J'étais un peu sceptique face à cette série et finalement j'ai décidé de me lancer et je suis contente parce que franchement ça a été une bonne découverte finalement. J'ai trouvé que les personnages de Mia étaient plutôt sympas, on n'a pas du tout tous les clichés de la romance puisqu'en fait ce n'est pas de la romance, mais plutôt une série de romans érotiques. Par contre, le fait que ce soit un homme différent dans chacun des tomes, en sachant qu'en plus ils sont courts, risque d'être un peu bizarre, surtout que comme beaucoup, je me suis pas mal attachée au personnage de Wes, qui est le jeune homme de du mois de janvier et qui est vraiment très très sympa et très très chouette. Mais voilà, j'ai quand même envie de découvrir la suite. Mais de toute façon, je sais que Wes reste un peu présent dans les autres tomes et qu'il continue à être en contact avec Mia, donc tant mieux. Mais voilà. Par contre, oui, ce qui est vraiment au centre du roman, c'est pas l'aspect escort girl, mais c'est l'aspect parcours de vie, puisqu'en fait, la jeune fille apprend des leçons chaque mois et se retrouve grandie par ces leçons. Déjà, à la fin de ce tome-ci, il y en a une belle et
on comprend un peu plus les intentions de l'IA. Et pour ma part, j'ai bien aimé cet aspect-là. Donc voilà, si comme moi vous êtes curieux, que vous hésitez un peu, j'aurais tendance à vous dire lancez-vous, c'est court, ça se lit vite, et vous saurez assez vite si vous êtes tenté ou pas par la suite. Mais pour ma part, je pense que je vais continuer. Et donc, pour finir cette vidéo, je vais donc vous dresser un petit bilan du mois, puisque en fait je suis une grande fadade de tout ce qui est statistique. Et du coup voilà, j'ai décidé de me lancer dans plein de statistiques pour cette année. Donc tout d'abord, j'ai lu du coup 12 romans et demi et 3 BD pour 3689 pages. Ce qui est plutôt pas mal, surtout que mon mois de janvier était quand même un peu occupé puisque j'avais mes examens à la fin du mois de janvier. Donc globalement c'est pas mal. J'ai rencontré pas mal d'auteurs, à savoir donc avec François Zir, j'ai revu Alexandre Delis. J'ai également rencontré Sophie Cole ainsi que Audrey Carland. Et en plus de ça, j'ai également rencontré Gaëlle Fay puisque j'ai été à la remise du roman, enfin, du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Je vous ai fait une vidéo consacrée à ce prix et du coup voilà, j'ai pu rencontrer Gaëlle Fay qui était le vainqueur et dont j'avais beaucoup beaucoup aimé le roman. J'ai également réussi le week-end à Lille qui se tenait au milieu du mois de janvier. Et je suis également allée voir la comédie musicale Le Rouge et le Noir, dont je ne vous ai pas parlé sur la chaîne, mais globalement c'était vraiment très sympa. J'étais très contente d'y aller, surtout qu'il y avait pas mal d'anciens candidats de The Voice et que je suis une grande adepte de The Voice. Donc voilà, pour moi c'était vraiment sympa. Sinon, par contre, j'ai fini une seule série et j'ai plutôt échoué au Cold Winter Challenge puisque j'ai lu, je crois, 5 livres sur les 8 que j'avais prévus, si je dis pas de bêtises. Donc bon, là, c'était pas franchement folichon. Et sinon, oui, je m'étais fixée comme objectif de lire globalement plus d'auteurs féminines que d'auteurs masculins. De lire également plus de romans d'auteurs francophones que d'auteurs américains notamment, et également de lire plus, enfin principalement du contemporain, et de me calmer un peu sur tout ce qui était young adult et d'arrêter de lire tout ce qui passe et tout ce dont tout le monde parle. Et de ce côté-là, sur tous ces points, ça a plutôt été réussi. Et je m'étais également fixée comme objectif de lire plus de papier que d'e-book, puisque depuis que je suis ma liseuse, j'ai tendance à tout vouloir lire sur e-book, alors que j'ai une bibliothèque qui déborde, donc c'est un petit peu débile. Donc voilà, j'ai lu également un peu plus de papier que d'e-book, puisque j'ai lu 7 formats papier et 5 formats e-book, ce qui est quand même pas mal. Et globalement j'ai mis une moyenne de 15,38 sur Livre Addict aux 13 lectures que j'ai notées ce mois-ci. Donc oui, je suis plutôt contente de moi et j'espère continuer plutôt sur cette lancée parce que c'était pas mal. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures, salut !